engagement citoyen auprès des autres, auprès des personnes en détresse, mais ça peut être aussi un engagement citoyen, pourquoi pas, pour l'environnement. On en parle beaucoup de l'environnement, du climat, de la pollution, etc. etc. Et là, je voudrais que, qu'on se tourne vers nos amis de l'ESAT de Lézignan, parce qu'eux aussi ont une histoire d'engagement citoyen assez intéressant et qui est passée par le travail, à la base. Alors, Olivier Belmonte, vous êtes moniteur d'atelier. Alors, je vous donne la parole pour m'expliquer un petit peu, puis après, on verra avec Cédric, Jérôme et Marc comment ils travaillent. Vous faites des nichoirs, vous travaillez pour faire des nichoirs avec la LPO, c'est ça, c'est pour pouvoir offrir des abris aux oiseaux et protéger les oiseaux. C'est ça. Donc, en fait, ça fait plus de 15 ans que nous travaillons avec cette activité de nichoir. Nous sommes en collaboration avec la LPO de l'Aude, qui est la Ligue de protection des oiseaux. Et depuis une période d'années, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait acquéri un savoir-faire, donc avec les ouvriers. Et on s'est dit, mais pourquoi pas nous aussi pouvoir créer nos propres nichoirs. Donc à partir de là, on en a parlé à l'association, donc l'AFTAIM. Et on s'est dit, il serait bien de créer peut-être une marque, montrer notre savoir-faire, mettre en avant nos compétences et peut-être enlever aussi l'image du handicap, du coup, et de montrer qu'on est capable de travailler et d'être actif dans le tissu, social, commercial, ordinaire, et et apporter par votre travail tout à fait. L'engagement sur cette problématique. Et il se trouve donc, on a eu la réponse il y a une semaine à peu près. Donc, avec la LPO de l'Aude, nous avons participé à le budget participatif donc, organisé par le département de l'Aude. Il se trouve que nous allons réaliser à peu près 1000 nichoirs. Donc, ils vont se faire d'ici la fin de l'année jusqu'au début de l'année. Et donc, ces nichoirs sont voués aux habitants du département qui seront remis gratuitement. Mais en contrepartie, donc, les personnes qui prendront ces nichoirs devront tenir au courant de la pose et de voir si ces nichoirs ou gîtes à chauve-souris sont habités. Voilà. Donc on est vraiment dans un acte citoyen. Absolument. Et qui correspond au développement durable et à l'environnement. Alors, qui veut expliquer un petit peu comment est formé un nichoir? Est-ce que... Les nichoirs. Marc Verdi. C'est un type de nichoir. Un pour les misandres, un pour les rouges-gorges. Les anges et rouges-gorges. Voilà. D'accord. Et comme un concept, c'est notre logo et atelier Audoise Adaïm. C'est la signification. Et notre marquage, c'est à Auxel. Et Auxel, c'est la marque, c'est le modèle d'un nichoir, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est tout ce qui correspond au nichoir. Donc à Auxel, c'est pareil, on a voulu faire un clin d'œil à notre région donc, et de notre langue d'origine qui est l'occitan. Mm-hmm. Et donc à Auxel veut dire oiseau en occitan. Ça veut dire oiseau en occitan, d'accord. Et combien de temps il faut pour fabriquer un nichoir comme ça, Jérôme? Par exemple, je le fais. Ou alors. Après, on le fait en moins de temps. On le fait. Ça dépend de la marque, les personnes qui s'en occupent. On peut mettre au moins 10 minutes à monter une nichoir. Entre 5 et 10. Pour faire un nichoir, 10 minutes. Ouais, ça dépend quand on est. Ceux qui sont habitués à monter, qui ont la tactique, pour les monter. On parle de poste de travail. Hein, oui. Parce qu'il y a un enchaînement, en fait. On peut peut-être voir des photos. Oui. Vous avez accepté que l'on vous prenne en photo sur votre lieu de travail. Alors voici les oiseaux. Il y a des espèces. C'est qui ça? Je ne reconnais pas. C'est Jérôme? C'est Jérôme. Donc là, ici, qu'est-ce que vous faites là? On a fait planche, sur planche. Avec botte de sel.
Mais après, coupe la planche, coupe un peu comme ça, un compte la planche, un compte. Mmh. Et après, il pousse la machine, il pousse pour, avec la machine. Voilà. Et après, et tout ça. Et tout. C'est, il faut faire attention à ses doigts, il faut. Attention, après, il coupe, après, oui. On joue. Oui, oui. Voilà. On est d'accord. Oui. Voilà. Il y a d'autres photos ? Peut-être ? Donc là, c'est une autre étape. Oui, donc là, c'est une scie qu'il y a devant. Il y a une scie devant pour couper la planche, c'est oui, ça ? Oui, ça fait une scie délineuse. D'accord, délineuse, d'accord. Ah, Marc. Là, je... Ça, c'est Marc. Oui, c'est moi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on ponce les arêtes. Quand les bottes elles passent à la ponceuse et mastiqué par les ouvriers, monsieur. Ça va à la finition, à quatre côtés d'une boîte. Et on a différence de boîte. Mm-hmm. Un pour les salines de Grusson. Un pour les bottes à sel de l'île de Ré à Vendée. Et plus, on fait des boîtes à sel pour les États-Unis. Donc, vous êtes en train de me dire, vous faites des nichoirs, vous faites des boîtes à sel, oui. Et que ce sont des entreprises de la région, et même jusqu'aux États-Unis, qui vous les achètent. Oui, c'est ça. Bah, bravo, hein. Je crois que... Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le travail que vous avez fait, que ce que vous avez produit, oui. Bah, des gens vont l'acheter, vont le mettre chez eux, ça, non, on a de la fierté, on a, c'est quoi ? Pour mettre les investisseurs, ils ont une boîte en concept, c'est notre marque, ils doivent prendre ça pour accrocher sur un arbre. Mm-hmm. Donc simplement... Vous pouvez vous lever et le montrer, venir au milieu de la scène et montrer pour que tout le monde voit bien le nichoir, si d'accord. Vous voulez. Non. Donc, si vous vous inscrivez, vous pouvez devenir citoyen volontaire et avoir chez vous votre nichoir. Donc, c'est une démarche citoyenne. À citoyen, on a une sangle qui va aller là, dessus et à côté. Et derrière, on peut l'accrocher sur un arbre. Oh, la sangle, c'est pour accrocher sur un arbre, et derrière, on met un crochet qu'on peut fixer au mur. Voilà. C'est quel oiseau qui peut rentrer dans ce petit trou là ? Là, c'est les mésanges. C'est les anges, d'accord. Voilà. D'accord. Il y en a d'autres ? Il y a d'autres. Oui. Ça, c'est un gros oiseau. C'est un oiseau plat. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un souris, un grand souris. C'est pas souris, il passe en chauve-souris. Vous savez tous ce que c'est des chauves-souris ? C'est un souris, un peu dans le chou. Est-ce qu'on a une photo de chauve-souris ? Oui, David a tout préparé. David. Il est là. Hop là. Un souris, il passe en chauve-souris en chou. Ça va ? Il a la luge. Il a lu là, il a marqué là. Oui, la marque. La marque. Ratatatata. Il y a une vis là, il y a une vis là aussi, il y a une vis aussi. Une vis, donc c'est très solide. Et 8 vis, comme ça. Et dans le fait de te souris. Oui. Voilà. Il cache et tenir sur le crochet. La chauve-souris, elle passe par là. Elle rentre dans ce petit trou. Il y a un tenir, le souris, il tenir là, et après il bouge pas. Oui, c'est pour qu'il dorme la journée. Voilà. C'est ça. Oui. Bravo. Et pas dans le micro. Comment ils font pour passer les chauves-souris ? Parce que c'est gros. Passer dans un endroit comme ça, je ne comprends pas. Alors, passe là. Passe par-dessous. C'est
C'est fort. Hein. Alors, Je vais répondre à madame. En fait, ce que, les chauves-souris que vous avez en photo, là, ce ne sont pas les chauves-souris qu'on trouve ici dans la région. Hein. Donc, ce sont des chauves-souris beaucoup plus petites qu'on appelle des pipistrelles. Voilà. Et donc, elles peuvent passer dans un trou qui fait à peu près 1,5 cm. C'est pour ça que souvent, il arrive qu'on les trouve derrière un volet. Ça peut arriver l'été, vous voyez. Donc, il vaut mieux qu'il y ait des gîtes comme ça, justement, qui sont adaptés. Et ça leur permet, justement, de pouvoir s'abriter. La chauve-souris est très importante parce que c'est un gros prédateur d'insectes, et en particulier des moustiques. Donc, c'est pour cela qu'en fait, on décide de mettre beaucoup de nichoirs pour éviter tout ce qui est traitement chimique. Pareil pour certains oiseaux. Donc, ce nichoir que vous avez là pour mésange, en fait, nous travaillons avec une entreprise qui s'appelle la Mésange Verte, qui se trouve à côté de Perpignan, à Bages exactement. Donc, ils sont créateurs et fabricants de pièges pour les chenilles processionnaires. Donc, ce sont ces chenilles qu'on trouve dans les pins, qui font ces boules blanches. Et en fait, ce sont des nuisibles, puisque à force, ils détruisent les pins. Donc, on s'est rendu compte, bien sûr, par la LPO, que la mésange, et entre autres la mésange charbonnière, mangeait ces chenilles processionnaires aussi. Donc, elle participait en même temps au cycle et à éliminer ces parasites, au lieu de mettre des traitements chimiques. Voilà, pour tout cela, en fait, l'idée aussi de... Donc là, vous êtes écologie. En train de faire une éducation citoyenne à l'environnement. C'est ça, le voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je sais que Jérôme, qui est là au milieu, est allé lui-même, je crois qu'il y avait une rencontre, un salon, c'était quoi, pour expliquer sur un marché. Non, ça a été une rencontre à Carcassonne, c'était la rencontre naturaliste. Voilà, c'était ça, je me souviens. Une rencontre naturaliste à Carcassonne. Donc c'était l'année dernière. C'était sur deux jours et nous avions été invités donc, encore une fois par la LBO et Eau de Claire, donc une association aussi pour la protection de la nature, de la faune et de la flore. Donc l'engagement, le travail a donné une sensibilisation à ces problèmes environnementaux en faisant des nichoirs. Mais pour Jérôme, l'engagement citoyen, c'est d'aller au bout de son travail, expliquer le à quoi ça sert. Tout le week-end. Voilà. Tout le week-end, expliquer. Et découvrir aussi d'autres choses. Il y avait pas mal de conférences, donc c'était très intéressant. Ça parlait, il y a eu plein de conférences concernant la faune et la flore. Donc ça parlait de... Il y a eu une conférence sur les loups, par exemple, une conférence sur des escargots, une conférence sur d'autres animaux, les tourbières aussi. Donc c'était bien très intéressant. Ce qui veut dire que c'est une ouverture au monde, c'est une façon de rencontrer aussi d'autres personnes sur d'autres intérêts, d'autres passions. Et d'être acteur. Donc. Et d'être acteur, absolument. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cet exemple. Vous avez tout dit, vous avez quelque chose sur le cœur à nous raconter encore, pour ne pas que vous partiez frustré. Un truc important. Il y a un CAT à Lozère, LPO, bien sûr. Il doit faire tout mon cœur. Ils font des toits en alu au CAT de Lozère. Et ils participent aussi à la construction des nichoirs. C'est un partenariat. Et ça aussi. Donc tous les éléments en alu sont faits dans un CAT en Lozère. Voilà, et qui ont ses compétences. Donc, une collaboration. Chacun apporte sa compétence dans chaque... Excellent. Bravo. Merci encore. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Alors, je sais que vous avez un bus qui vous attend, je crois. Donc, on ne vous en veut pas si vous nous quittez maintenant. Mais merci vraiment d'être venu et nous avoir présenté votre travail. De récupérer vos affaires. On voulait, voilà, allez-y tranquillement. Pendant ce temps, alors, on espérait avoir ce matin Patrick Cézille avec Céline Velot, sa compagne, qui voulait nous témoigner d'un autre engagement environnemental pour la nature. Parce que lui, plusieurs fois le dimanche, il y a un truc qui l'agace, Patrick,
c'est les déchets que l'on retrouve le long du canal. C'est la pollution, les déchets qu'il y a sur le long du canal. Et ils travaillent avec une association qui s'appelle le GISC, G-I-S-C. Alors Patrick n'a pas pu venir puisque le bus, il a raté le bus et qu'il n'y en aura pas d'autres dans la journée. Donc il est coincé, il est confiné, on va dire. Du coup, malheureusement. Mais l'ACDAR Néhari est là. C'est vous qui êtes responsable de cette association. Alors rapidement, expliquez-nous, on va voir quelques images. Comment vous agissez avec tous nos amis qui sont là? Comment on peut s'investir justement de façon citoyenne pour l'environnement avec vous? D'abord, je vais vous dire bonjour et merci de m'avoir invité. Après, je vais parler au nom de l'association GISC qui est à Carcassonne, qui existe depuis 13 ans. Et surtout de Patrick et de Céline, parce que notre philosophie dans l'association, on ne regarde pas la différence de la personne, si elle est handicapée, si elle est âgée, si elle est jeune, si elle est en difficulté. Notre but à nous, c'est que vous venez nous voir et nous, on vous aide dans vos projets. Et Patrick et Céline sont arrivés comme ça, parce que moi je parle du vécu, c'est vraiment quelque chose qui... Le vécu, je l'ai fait avec le GEL pendant des années, on a fait des scènes ouvertes, ils sont venus, ils sont montés sur scène, et ils étaient associés avec tout le monde, et ça s'est passé dans des cafés, ça s'est passé dans des pubs, ça s'est passé à la MJC, ça s'est passé à Saint-Joubouski de la mairie. Le but c'est, vous êtes acteurs, et c'est vous qui nous donnez du bonheur. Vous êtes des êtres humains, et c'est par l'amour, par le partage, par l'échange qu'on apprend avec vous, pour vous et pour nous. Et merci pour cette super matinée. Ce n'était pas prévu. On m'a invité. C'était comme ça, au pied de l'œil. Merci d'être là. Lorsqu'on s'est rencontrés, vous m'expliquiez que Patrick et Céline avaient toujours le sourire, très actifs, toujours équipés de chasubles, de gants, à nettoyer les berges du canal. Patrick, qui vous dirait, ça me fait mal au cœur quand je vois tous ces papiers, quand je vois ces bouteilles. Voilà, il vous dirait vraiment ça. Il en est vraiment triste de voir tous les déchets. Et donc, même si ce n'est pas lui qui les a mis, ben, il les ramasse, il est vraiment très volontaire. Dimanche matin, le 27 septembre, voilà. Dimanche matin, il ne viendra pas nettoyer parce que je voulais l'inviter à une croisière jazz, qui vous lui direz de venir à 10h30. Il va venir avec Céline, ils vont faire une petite croisière jazz, partiront de Carcassonne pour arriver à Carcassonne. C'est pas beau ça? En ramassant, en nettoyant et protégeant la nature, il y a même des cadeaux. Merci, merci beaucoup. Donc c'est un engagement, l'environnement, c'est aussi un engagement citoyen, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Il y aura le GEM. Le GEM se sont inscrits spontanément. C'est pas moi qui ai été les chercher, c'est eux qui sont venus nous solliciter. Et on les applaudit bien fort, le GEM, s'il vous plaît. Merci. Ben, ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'on va les voir en action, le GEM, maintenant.